Need the feeling in a thunder day. Ok, nous poursuivons maintenant avec la recherche d'une partie d'une chaîne. C'est-à-dire que comment dans une grille Excel vous pouvez extraire le nombre de caractères ou une chaîne, une partie de chaîne précise. Donc on reprend l'exemple précédent où on voulait trouver le mot banane dans la liste de fruits. Excel, grâce aux fonctions cherche ou trouve et trouve, nous a donné la position de la chaîne, du mot banane. C'était la 14e position. Maintenant, dans la recherche d'une partie d'une chaîne, on peut complètement extraire le mot banane en précisant dans la liste la position du mot banane et le nombre de caractères qu'il contient. Donc, dans ce cas, on va chercher le mot banane. Banane, en majuscule, banane. Et le mot citron, voilà. Ici la fonction qui nous permet de faire cette extraction, c'est la fonction stxt. Je vois la parenthèse. Premier argument, c'est le texte qu'il faut sélectionner, puis on sélectionne le numéro de départ qui était trouvé là, c'était la position 14, la position du chiffre qu'on recherche. Donc je sors mon clavier visuel là, 14. Voilà, ensuite, mets la virgule, plus le nombre de caractères du mot qu'on veut extraire, ou bien du numéro, ça peut être un nombre aussi également. Donc là, banane a 6 caractères, donc je vais mettre 6, non, attention, je mets 6, voilà. Puis je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, il a retrouvé le mot banane. Et maintenant, pareil, maintenant pour le citron. Puisque banane était à la position 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ça veut dire que citron commence à la position 21. Donc je reprends toujours ma même fonction, stxt, j'ouvre la parenthèse, le texte, je le sélectionne, puis je mets la virgule, et le numéro de départ, là c'est 21, et le nombre de cases, citron a 2, 4 et 6 également. 6 caractères, donc je mets 6 là et je refais ma parenthèse, je valide. Voilà, les citrons. Comprenez bien que je peux même extraire juste une partie, c'est-à-dire peux extraire ou avec les virgules si je modifie. Ici, au lieu de mettre... Attends, je reviens, revenons là. Voilà. Au lieu de mettre, par exemple, 6, je mets plutôt... 7, il va prendre la virgule qui suit. Vous voyez, au lieu de mettre ici par exemple, au lieu de mettre la position 21, si je pars 21, là si je pars plutôt en arrière, c'est-à-dire 21 plus 6, ça va faire 27. Donc si je mets plutôt la 27 caractère, la 27e position, pourtant pour moi. Là, j'ai manque, c'est coupé parce que je prends plutôt la 28e. Voilà, là ça commence avec et là j'ai manque plutôt. Donc, vous pouvez extraire dans une liste. Je dis bien, ça c'est un cas très restrictif pour avoir une grosse liste de données et vous voulez extraire exactement les mots recherchés. Donc, dans la fonction précédente, l'exemple précédent, on a retrouvé la position du mot. Ici, on a retrouvé exactement le mot. Ressorti. Donc c'est tout pour cette partie. Nous vous remercions. N'oubliez pas de reprendre ces exemples dans les fiches d'application qui vont vous être envoyées. Qui vont reprendre tous ces tableaux. Et nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Tout à l'heure. Merci.